Christophe Loc, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au sein du Nautique 2021, porte de Versailles à Paris. Et là, vous êtes le représentant de la marque Tahé, qui fabrique à Vannes, dans le Morbihan, donc des paddles et des kayaks. Tout à fait. On est constructeur de sports pour les sports nautiques, donc qui comprennent le paddle, le windsurf, le surf, le paddle, les annexes de bateaux. Le kayak. Donc oui, c'est une marque que tout le monde connaît parce que qui a été Big Sport il y a encore 2 ans. Et depuis 2 ans, voilà, on a été racheté par la marque Tahé Outdoor. Donc ça ne change pas grand-chose sur les produits. Les produits sont identiques, le savoir-faire reste identique. L'usine qui est basée à Vannes reste à Vannes. Donc il y a juste le nom. Il y a une transition de nom qui s'est faite. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur ce salon où on représente tous les produits sous la marque Tahé. Alors. À côté de nous, donc nous avons un modèle qui fait à la fois paddle et kayak. Donc kayak, quand il est équipé, comme on le voit en ce moment, avec des petits sièges, des repose-pieds et des pagaies. Et donc si on démonte tout ça, ça devient un paddle. Tout à fait. La demande aujourd'hui, avec le Covid, la demande du public est forte et on veut aujourd'hui, le public veut tout faire. C'est-à-dire que j'arrive à la plage, je veux faire du paddle, je veux essayer le kayak. Voilà. Donc là, on a sorti, c'est vrai, un produit qui est dans l'air du temps avec le paddle, où on peut venir sur son paddle mettre un siège. De sièges et aller faire une pratique, une découverte du kayak. Donc tout ça, on est sur un paddle qui est gonflable, d'accord, qui tient dans un sac comme ceci. Donc le sac, on peut le mettre dans le coffre d'un véhicule. Exactement, ça c'est vraiment pratique, on met ça dans le coffre de la voiture, donc tout est plié, les pagaies sont démontables, c'est à l'intérieur. C'est livré avec une pompe, d'accord. On met la bonne pression, parce qu'il est important de mettre la bonne pression à l'intérieur. Et en 5 minutes, c'est gonflé et on profite de la polyvalence du produit, soit sur le paddle, soit sur le kayak. Alors là, par contre, à côté de nous, on a un kayak. Comme il est exposé, là, c'est une version pour 2 personnes, mais vous avez un modèle un petit peu plus court pour une seule personne. Tout à fait. Donc le HP2 que vous avez là, c'est vrai, on est sur 2 places. On peut le mettre en une place avec un dosseret au centre, mais voilà, il c'est sur 2 places. Alors c'est vrai que aujourd'hui sur le salon depuis l'ouverture, j'ai une forte demande sur ce produit-là, car j'ai beaucoup de citadins qui viennent nous voir et qui veulent un produit pour mettre, comme on disait tout à l'heure, d'un produit on met dans la voiture. Mais on a réussi sur les kayaks gonflables. On a progressé depuis 2 ans car on a transféré le savoir-faire du paddle gonflable sur les kayaks. C'est-à-dire que les kayaks ont la même construction maintenant qu'un paddle, c'est-à-dire pour avoir la rigidité. La rigidité, ici, on l'a. La rigidité, on l'a grâce à notre fabrication, ce qu'on appelle du drop stitch. C'est une fabrication d'une membrane à l'intérieur en fibre qui vient, lorsqu'il y a de l'air à l'intérieur, qui vient se rigidifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est très dur. Donc il faut mettre la bonne pression à l'intérieur et une fois la bonne pression mise, on a quelque chose de vraiment rigide. Et là, la grande nouveauté aussi, c'est les étraves. Avant, sur les gonflables, on n'avait pas d'étraves vraiment rigides. On avait des étraves qui étaient juste gonflées, donc c'était juste pincé. Là, on intègre vraiment des étraves rigides plastifiées. Donc on a vraiment comme un rigide, comme un kayak rigide, on a une belle étrave qui casse le clapot et qui avance. Donc
C'est vrai que pour le loisir, soit en solo, soit en couple ou en famille, avec le kayak aujourd'hui, ben ça, c'est l'explosion, y a une explosion sur le kayak. Donc c'est plutôt, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et à côté, on a le kayak rigide qui est pour notre clientèle plutôt bord de mer, qui ont pas, voilà, qui veulent avoir quelque chose chez eux, qui ont la possibilité. Ils le gardent dans leur garage et puis ils partent tout de suite en bord de mer. Exactement. Hop, on met, on a des kayaks rigides, hein, par exemple le Bornéo qui est le vert en bas. On a mis un système de roue à l'arrière, hop, on le fait rouler jusqu'au plan d'eau. On peut le traîner à la main avec une corde. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, dans le marché, c'est vrai que le gonflable est arrivé, a pris une part importante sur le marché. Et ce qui est bien, c'est que surtout pour les gens, les citadins, le gonflable permet aux gens d'accéder sur les lacs à proximité, au bord de mer, mais encore une fois, les rigides en kayak, en paddle, plutôt proximité pour les gens, proximité de mer. Au point de vue poids, on est entre 15 et 20 kilos à peu près. Tout à fait, ouais. Sur un deux places comme celui-ci, tout équipé, on est à 15 kilos. Donc tout équipé, ouais. Siège avec les cale-pieds, les pagaies. Donc un produit comme ça, il est vendu en pack avec tous les accessoires, sauf les gilets, mais sinon tout est, vous avez dans votre sac, tout est à l'intérieur. Alors la référence de votre site de Tahé. Alors c'est tahesport.com où vous allez retrouver tous les produits et toutes les références. Ensuite on a notre site, mais on a tout notre réseau de distribution. On a à peu près 100 revendeurs sur la France et outre-mer où vous allez retrouver tous nos produits chez eux qui sont des techniciens. D'accord. Voilà. Monsieur Bloch, merci. Merci à vous.